Écoutez radio ici et maintenant sur 95 de FM. J'arrête quand je veux. Mais je viens de commencer euh, ce samedi, 7 de mois de mai. J'espère que vous allez bien. Euh, ce samedi, comme vous savez, dès 11h, ça a commencé euh, la cérémonie d'investissement président Macron, Laurent Fabius, il est lui-même, comme vous savez, il est le président du Conseil constitutionnel. Alors, il a validé les élections de cette année, de ce de mois d'avril. Alors, il est encore le nouveau président de la République. Alors, Laurent Fabius, il a cité la parole de Victor Hugo, euh, droit et devoir, comme quoi nous sommes serviteurs de droit et esclaves de devoir. Il a précisé ça à président Macron et également il a précisé qu'il est de nouveau président avec... Euh, énormément de problèmes euh, et, et, qui est déjà passé et ça va continuer peut-être santé sociale euh, sécurité mais euh, et d'autres autres éléments aussi d'autres il a précisé euh, et ce qui va c'est difficile, vraiment, pour Macron de continuer. Mais comme vous le savez, mes chers amis, euh, j'ai je, je toujours dit qu'il serait prochain président encore. Même à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait les Gilets jaunes qui réclamaient euh, le mort de... Emmanuel Macron, que même Élysée on l'avait entouré de murs en ferraille, que les gilets jaunes, pas les gilets jaunes, les, les gens qui pénétraient dans les gilets jaunes pour faire les dégâts n'entrent pas à Élysée. Le menace était tellement grave sur le président Macron à l'époque-là, j'ai bien précisé que lui il va rester. Et même de nouveau, il va être président de la République. Alors vous savez, j'ai envoyé un mot il y a déjà quelques jours en précisant comme quoi un think tank, euh, s'il gère la France, euh, puisqu'il connaît bien tout l'enjeu mondial, ça sera mieux que quelqu'un qui, qui ne connaît même pas euh, les enjeux régionaux de la France. Et ce soir si on aurait le temps, sinon vous êtes là pour témoigner. Je veux vous dire que même Macron, il a pu changer le destin de la France par rapport à tout ce qui s'est été imaginé pour la France concernant beaucoup de choses. Surtout par exemple le climat, si je vous en parle. Climat, même Black Rock, depuis qu'ils ont fait euh, une réunion avec... Euh, ma, Macron, Larry Fink lui-même. Euh, alors, même politique de euh, black rock a été changée euh, et depuis certains temps, ils sont en train de voir côté euh, vert du monde qui euh, la France est dedans, c'est-à-dire les investissements pour euh, améliorer euh, le climat. Euh, toujours l'argent est, est en chaud, toujours l'argent est dedans à gagner, mais c'est l'impression de think tank français Emmanuel Macron sur Black Law, qui en va voir, euh, parler beaucoup de ça peut-être ce soir. Mais vous avez la parole, je suis là pour vous écouter. Euh, mes chers amis, vous avez la parole, comme d'habitude, comme depuis plus de 40 ans sur cette antenne radio ici maintenant